Bonjour à tous, chers camarades, ici Biops97, et je suis sur Battlefield 3 Endgame avec des éoliennes en fond d'écran. C'est plutôt agréable, je vous l'accorde, j'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe bien chez vous, que vous prenez du plaisir à jouer ou à faire quoi d'autre, je ne sais rien. Oui, j'aurais pas dû rester là-dedans. J'espère que vous êtes contents de votre je ne sais rien. On n'est même pas en vacances, je voulais dire de vos vacances. Non, on n'est pas en vacances. Mais pas encore en vacances, il me tarde les vacances, on est bientôt à Pâques. On est bientôt le lundi de Pâques, donc on aura un petit week-end. 2, 3 jours. Si lui est bien sympa avec moi, voilà, je vous arrache, je suis désolé. C'était pas mon but précis, principal. Ah d'accord, elle était là, la truc, en fait. Donc voilà, je suis vraiment désolé. Noble Buret déconnecté en même temps, donc on est chaud. On est complètement chaud. J'ai plus de munitions. Je suis extrêmement deg parce que j'allais refaire une triple digne d'un PGM de Battlefield. Et voilà, ça aurait été bien. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, hein, donc je dis bien à l'heure où je vous parle, on est le... Oh là là, dommage. J'étais bien chaud au début. On est le 27 mars 2013, donc je sais même pas quand la vidéo va sortir dû à ma connexion qui est digne... une potétose, voilà. Je sais même pas quand ça va sortir, mais aujourd'hui, ou hier soir exactement, le trailer, enfin le gameplay de Battlefield 4 est sorti, et je suis extrêmement heureux, mais extrêmement heureux, parce que quand j'ai vu les graphismes, j'ai fait ah d'accord. Ah oui, d'accord, ils ont pas fait de la merde, hein, cette fois-ci. Hein. Bon, ils ont jamais fait de la merde, mais là, cette fois-ci, ils sont pas foutus de notre gueule, quoi. Quand ils ont dit Battlefield 4, c'est de la bombe, c'est que Battlefield 4, je me fais arracher. Ouais, les graphismes sont vraiment énormes, ils ont amélioré leur moteur graphique, qui est Frostbite 2.5 ou 3, je ne sais pas, mais je crois que c'est 2.5. Si vous avez des informations, dites-moi les, parce que ça, j'ai pas trouvé. Ça n'était pas marqué dans la vidéo, je crois, en plus. Enfin, bref. Ce n'est pas grave. Ce qu'il faut dire, c'est que la qualité... graphique a été augmenté extrêmement. Après, c'est sur PC de compétition, des PC qui coûtent le prix de ma maison, donc bon. Non, quand même pas, mais c'est des PC qui tournent vraiment au max. Donc, j'espère qu'on aura un truc similaire sur les nouvelles consoles de salon. Next Generation. J'espère qu'on aura ça. Du moins, ça serait bien. Ouh là, j'ai gagné au taquet de points avec ça. Je serais très heureux d'avoir... bon, je pense pas que ça sera exactement pareil, mais du moins, j'aimerais bien que ça s'en rapproche. Et oui, je suis passé Aigle 1. Oh, je suis content. Parce que j'avais pas le petit numéro juste en dessous et j'étais triste. Et maintenant que j'ai le petit numéro, bah, je suis content. Voilà. Voilà, ça s'arrête là. Moi mon expérience Battlefield s'arrête là. J'ai fini Aigle 1. Pour moi, j'ai fini le jeu. Hein. Est-ce qu'on peut prendre la moto? Oh là là, il est en train de perdre de la vie, là. J'allais exploser avec. Donc voilà, c'était cette espèce de gameplay de 17 minutes qui m'a fait baver, je vous l'accorde. Je pense qu'il a pas fait baver que moi. Ouais, un hélico qui se crache devant notre gueule, ça fait toujours du bien aux yeux. Donc on est en live et sur Battlefield 3 Endgame, bon, c'est la même map que la dernière fois. Je suis désolé, mais cette fois-ci, c'est de la ruée. Donc c'est pas pareil, ok? C'est quoi là-bas? Je sais pas. Est-ce que je pourrais avoir une moto? Ah oui. Hey! Allez, on va mettre en automatique, ça, alors. Ouais, bon, j'aurais pas dû. Est-ce que je peux monter? Je peux monter. Ah, mais il est mort. Ah, bah, dommage, hein, bah, je vais pouvoir monter, là. Allez, bye bye. Viens avec moi, viens. Et monte. Ah, mais voilà. C'est moi, je suis sympathique avec les gens online. Même que les gens que je connais pas. Est-ce que je peux faire la roue? Je suis sympathique avec les gens qui sont online, j'essaie de jouer team play parce que, oh, Battlefield c'est du team play. Mais j'ai l'impression qu'ils s'en foutent en fait, c'est assez bizarre. Parce que là on voit quand même qu'il y a des gros levels, et les gros levels, je sais pas, me dis les mecs sont bons donc ils devraient jouer en team play à moins qu'ils jouent ensemble, enfin j'en sais rien du tout. Mais moi, depuis le début que j'ai commencé ce jeu, j'étais à fond dans le truc. Enfin, quand j'ai commencé ce jeu, on m'a dit il faut jouer ensemble à plusieurs, même si là je suis tout seul. Parce qu'on est un mercredi après-midi et que Praxi est en... Comment on appelle ça?
est en stage. Du coup, il peut pas jouer avec moi. Sinon, il n'y a pas grand monde qui joue à Battlefield dans ma liste d'amis. Donc, c'est un peu chiantissime. Mais ce n'est pas grave. J'apprends à jouer tout seul de temps en temps. Même si, je vous l'accorde, c'est vachement plus chiant de jouer tout seul. Parce qu'on peut compter sur personne. Et je suis pas le seul à le dire. Vraiment, compter sur personne, il y a toujours. Il suffit que tu meurs quand t'es en teamplay, bah, tu te fais ranimer par tes potes. Là, non. Là, c'est pas du tout le cas. Et puis moi, oh là. Bah, là, je peux pas te réanimer, Gadjo. Mais tu le sais parce que je suis pas un médecin. À moins que tu sois un médecin. Voilà. Ça, c'est du teamplay. Ça, c'est du beau teamplay. Voilà, donc le mec a été réanimé. J'ai pris son kit. Ah, c'est dommage. Bon, on aurait pu continuer, ça aurait été juste magnifique. Juste, on est trois avec. Avant que vous le fassiez remarquer, je l'ai vu qu'on était trois avec le truc explosion. Donc, je vais l'enlever pour faire du gameplay. Parce que moi, voilà, sur Battlefield, je suis mauvais. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Par éclat, sprint. Allez, moi, je suis habitué à mettre sprint tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, mais sprint, c'est un truc qui me fait plaisir. Sprint, ça me fait plaisir. Ça me fait du bien de jouer à ce jeu de temps en temps. Ça me change. Enfin, ça me change. En fait, en ce moment, je joue. En ce moment, ça fait un petit moment que j'ai vraiment. Viens, vas-y, monte. Que je joue vachement moins à Call of Duty. Je veux dire qu'avant, j'étais vraiment à fond sur Code 4 et MW2. Et mes potes aussi étaient à fond là-dedans, du coup, vu qu'on était beaucoup à jouer ensemble. D'ailleurs, avec mon ancienne team, on faisait beaucoup de Call of, même si on faisait autre chose de temps en temps. Et là, je suis vachement plus. Je fais des slaloms pour pas qu'il me tue. Et ouais. Eh ouais, je sais, I know, I know, I know. Bon, là c'était une très mauvaise idée ce que je tente en fait. C'est absolument n'importe quoi, je vous l'accorde. Oh, je suis pas mort. Je suis pas mort. C'était l'essentiel. Oh, je me suis fait arracher. C'était dingue, oui. Donc, avec mon ancienne team, on jouait pas mal à Call of et ils aimaient pas trop Battlefield. Mais moi j'apprécie ce jeu surtout que avec ce nouveau pack qui donne un petit peu plus de fraîcheur, qui redonne de la fraîcheur au jeu. Tous les packs ont redonné de la fraîcheur au jeu. Même les packs que j'ai le moins aimé ont redonné de la fraîcheur au jeu. Et pour vous dire. Hop là. Donc toi je sais même pas qu'est-ce que tu faisais chez nous. Pour vous dire, ça fait pas longtemps que j'ai le premium. Et d'ailleurs. Oula. Aftermath est sorti quand j'ai eu le premium en fait si vous voulez. Avant j'avais Battlefield, hein, à Battlefield j'ai acheté à sa sortie. Mais j'avais pas le premium parce que voilà, je n'étais pas décidé à acheter les packs. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et maintenant que je l'ai, en fait j'avais arrêté Battlefield parce que j'avais pas les packs et que ça m'énervait. Je vous le dis clairement, hein, j'étais toujours sur les mêmes maps et à force de jouer tout le temps sur les mêmes maps, et ben c'est gavant. Ce qui est normal. Ah oh, non, c'était un mec. Tiens, mange ma grenade. Hop, je balance une trousse. Je commence à bien gérer un Battlefield, ça fait un petit moment que j'y joue. Au début, quand j'étais niveau 24, je me disais, mais les niveaux montent au ralenti sur ce jeu. Oh là 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 là, on balance le kit. Mais en fait, non, ça va. Ça monte forcément plus lentement. Mais quand je vois. Ah, en fait, je tire en automatique, ce qu'il faut pas faire. Hein. Parce que je trouvais que j'étais un petit peu trop près du mec, du coup, je tire en automatique. Et je le fais perdre 25% de vie. Ah oui, j'ai une bonne équipe, tu vois. Vous voyez, j'ai été gentil avec mes coéquipiers, du coup, ils sont gentils avec moi. Et donc, moi, je suis gentil avec eux. Parce qu'ils sont gentils avec moi, et que moi, je suis gentil avec eux, du coup, ça fait qu'on est triplement gentil. Je te ranime, on balance le kit, parce que j'ai 5% de vie. Et que je vais mourir. Voilà. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Battlefield 4, je l'attends, mais vous ne pouvez pas imaginer comment. Le truc, c'est que j'aimerais bien avoir les nouvelles consoles le plus rapidement possible. Après, c'est un investissement, c'est ça qui est un peu chiant, c'est que j'espère qu'elles vont pas coûter trop cher, parce que moi, ça va être chaud, quoi. Oh, mais on s'en fout. Je pense que je vais les avoir un petit peu. Quitte 2 mois après Noël, enfin, 2 mois après la sortie, parce que je pense que je vais les avoir à Noël, enfin, j'espère. Avoir au moins une console next-gen à Noël. Oh, mais j'ai même pas réussi à spawner dans l'hélico. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Et voilà, j'attends. Ah oh, oui, est-ce que vous savez comment on lance le medikit loin? J'avais réussi la dernière fois. Donc on prend le medikit. Ah non, faut sauter en même temps, le lâcher, machin truc.
J'ai réussi la dernière fois, il était parti à 10 km. Est-ce qu'on a pété la bombe? Mais oui, je crois. Mais c'est un exploit. Mais c'est un exploitus. Je vous mettrai peut-être pas la vidéo toute entière. Ce que je veux dire, c'est que... Enfin, je finirai peut-être pas la partie. Enfin, je la finirai, mais pas en commentant. T'entends-tu? Parce que je crois que j'ai toujours la limite des 15 minutes. Alors... Oh là, j'ai tracé comme un dingue. Je crois que j'ai toujours la limite des 15 minutes sur YouTube. Alors on me dirait que c'est fini ce truc parce qu'il faut juste mettre son numéro de téléphone. Mais j'ai l'impression que ça marche pas. Alors je crois que je l'ai mis. Enfin, je vais aller revérifier. Mais je crois qu'il y a un bug. Je ne peux pas. Donc je vais réessayer. Bon, au pire, c'est pas grave. On va la finir. De toute façon, c'est la dernière bombe. Si ça dépasse les 15 minutes, j'essaierai de soit condenser le bordel, soit. De vous mettre la vidéo entière, même si ça va prendre 10 ans et demi à upload. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Merci. Ah, dommage. Ça aurait été tellement. Je crois que je l'ai tué en plus. 17-9. C'est pas grave. C'est pas mal. Mais c'est pas sur le score. C'est pas le score qu'il faut voir. Ah, ben c'est déjà fini. Ben voilà, c'est parfait. Comme ça fait même pas 15 minutes. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de laisser un like si ce n'est pas déjà fait, si vous n'êtes pas déjà abonné. Et laissez un like parce que ça, je suis sûr que ce n'est pas fait. Je suis sûr que vous ne l'avez pas fait. Laissez un like si ça vous a plu et un commentaire pour réagir, pour que je puisse m'améliorer de plus en plus et passer peut-être Aigle 2. S'il y a plus de 2 commentaires. Non, laissez un commentaire, un like et ça me fait plaisir. Moi, ça me permet de progresser dans ce monde qu'est YouTube. Voilà. Je vous remercie, c'était Biops97. À la prochaine, tout le monde.